Vaporhead par Yanex. Allô? Ah, écoutez, j'ai une... Ah! Et World Record by Yanex. Eh bien, écoutez, on est parti. On est parti pour découvrir cette petite carte qui avait l'air assez sympa. Vaporhead. World Record en 10 minutes, donc c'est quand même assez long. C'est quand même assez long. Mais ouais. Rien à dire de plus. Ça va, vous? Littéralement, rien à dire de plus. Ok, assez étonnant, ça. Quel programme qui me permet de faire ça? Ce n'est pas un programme, puisque c'est un outil... comment dire? Ce n'est pas un logiciel, c'est un outil physique. Puisque c'est une GoXLR. Par qui j'ai pas suivi? Par Yanex. Ok, c'est bel et bien par là. On a... putain, il y a 50 checkpoints. Ah ouais, il nous a... C'est hardware, merci. Je sais pas pourquoi je trouvais pas mes mots, quoi. J'étais là en mode, oui, c'est pas software, c'est... physique. D'accord. Ok, Wingo, d'accord. Il connaît les termes, le bug. CP numéro 4. Merde avec Wingo! Ok. Un peu particulier cette partie-là. Hugo. Ou même Hugo G84 d'ailleurs. C'est beaucoup plus spécifique que ce que je pouvais penser. Merci beaucoup pour le Prime. Un speed mapping RPG comme il fait de temps en temps. Je vois, je vois. Wouah. Ah oui, à mon avis, il fallait se laisser aller. Se laisser un petit peu guider. Ok, je l'ai eu avant que ça fade. Et là, j'ai pu passer là. Ok, très bien. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de propulseurs sur le début de la carte. Oh, l'ascension. Oh, l'ascension de fou furieux. Elle est là, ici. Ok, ouais, elle est là. Ah oui, j'avais trop de speed, du coup, ça m'a mis dans la merde. What the f... Attends. Je dois aller où, là? Attends. Parce que là, je m'envole. Ça, c'est le CP42, donc c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Ça, c'est le CP1. Alors, attends. Parce que là, théoriquement, je prends ça. Ah, ok. Ouais, je me disais que c'était pas aussi loin. Ah oui, il y a énormément de gliders dans la carte, par contre. Il semblerait. Ouais, je pense qu'il faut se retourner pour atterrir là-dedans et pouvoir repartir là. Ça passe pas, dommage. Ok. Après, comme vous avez dit juste avant, il faut voir en combien de temps la map a été réalisée. Forcément que ça y joue beaucoup aussi dans ton inspi et tout. C'était pas par là. Donc là, il faut que je refasse tout.
Oh non, mais attends, quoi? Mais alors du coup, quoi? C'est vers où? Aïe, 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 ok. Ok, je viens de comprendre. Donc fallait aller là pour aller là et aller là-bas. Ok. Petite erreur 3000 suivie de 3 pubs. Let's go. What the fuck Twitch? C'est la nouvelle strat. Oh non, il y a eu une erreur. Il faut redémarrer le flux. Très belle stratégie. Non, Naiden, ça sera en deux lives. C'est juste que je mets le programme complet dans le titre. Marrant ce flux, dis donc. Ok, bah, je vais retourner à mon checkpoint du coup. Oh non, bordel. Mais ouais, pas mal de... Pas mal beaucoup de gliders. Ok, bon là c'est moi qui ai abusé. Et la map est longue hein, quand même. Oh fais chier. La map est quand même vachement longue. Ok, c'est bon, ça passe. Non, non, et puis en plus, comme j'ai dit tout à l'heure, certes, là, on fait la partie RPG, mais j'ai quand même vraiment envie d'aller sur Hollow Knight tout à l'heure. Alors, attends, vraie question. Je veux dire, il n'y a pas moyen de faire ça. Il y a presque moyen de faire ça. Ah, c'est un peu chaud. Après, il y a peut-être moyen de faire ça. Mais là, il va y avoir un problème de glider. Ok. On m'a permis le changement de cam. Pour le coup, les changements de cam, c'est moi qui les fais là. Après, tu peux le faire, mais. Mais là, pour le coup, c'est moi. Tous les changements de cam que vous voyez, c'est moi. Ok. C'est le tracker médian. Le médian tracker. Ah mais attends, attends. En fait non, mais je me prends la tête pour rien. Je vais juste faire ça. Oh! Ok, je pense que ça passe. Donc CP numéro 9. Je vais aller là. Ah oui, ok, c'est de la big neige. J'avais pas vu ça comme ça. Oh putain. Mais attends, mais il y a un cut. Du coup. Ah non. Ah si. Je pense que si. Mais quoique. Ah non, c'est de la neige. Ah ok, c'est pas de la route, c'est de la neige. Ok, ça aurait pu. Oh, ça fait un effet très très bizarre. Ok. Okay.
P numéro 10. Qu'est-ce qu'il faut? Ah oui, ok, bon, là je pensais qu'il fallait que je m'envole, mais en fait non, pas du tout. On va rester à plat là comme ça. Ok, let's go. Oh la vache. Avec la fin de la glace. Et là on peut aller là. Qu'est-ce qu'on peut voir? Ok, c'est P12. Sur quel club on peut jouer les maps? C'est pas sur un club là pour le coup. Là, le mieux du coup pour vous, si vous voulez jouer les cartes, c'est de les télécharger et de les jouer directement de votre côté. Et de pas aller chercher sur... Enfin, c'est vraiment pas lié à un club ou quoi, tu vois, donc... Ok, ça c'est bon, ça passe. Mais alors du coup, quand on est retourné comme ça... Mais attends, c'est juste une question de pique ou c'est quoi là? Je sais pas. Donc en général, il se donne environ 4 heures de mapping et 1 heure de déco slash régler quelques cuts et il voit donc du coup environ 5 heures de mapping. Ouais, je vois, ok. Stylé en vrai. Donc ça, c'est ça. Alors, est-ce que le checkpoint qui est derrière, c'est celui dont j'ai besoin? 13. En fait, j'ai l'impression que ce checkpoint là, en fait, t'arrives là, et du coup tu fais ça. Et du coup tu vas faire ça, et là tu réaccélères pour prendre les boosters, et aller là-haut. Ouais, je pense. En termes de gameplay, quelle est la plus dure entre Terrace et Eon 42? Bah, Terrace. Large. Et Isto a dit Eon de loin. Bah non, en fait je suis pas trop d'accord parce que bah Eon, enfin, suffit de connaître la map, tu vois, et ensuite au fil du temps tu t'améliores. La Terrace, s'il y a des tricks que tu connais pas, enfin Eon est plus technique, mais ou alors je sais pas, peut-être que j'ai mal compris la question, tu vois, mais on peut m'appeler pour le kaki, oui. On peut m'appeler pour le kaki. Ouais, je sais pas. En fait, du coup, ça dépend vraiment le fond de la question. Parce que sinon, je dirais plutôt... Ah. Ok, je viens de comprendre ce qui vient de se passer. Donc en fait, il faut être bien sur le tuyal. Ouais, mais faut y aller tranquille, ça sert à rien. Mais... Ouais, ok. Mais le gameplay, ça veut tout dire et rien dire. Oui, mais dans... Enfin, bah non, enfin, ça veut pas tout dire et rien dire, mais dans ce cas, Terrace. Large. Parce qu'il y a des tricks sur Terrace qui ne sont pas du tout sur Eon et qui sont beaucoup plus durs, je trouve. Parce que ouais, sur Eon, il faut connaître la route, quoi. Il faut pas... Je sais pas. Tu feras des journées RPG en serveur où on peut tous rouler la map avec toi. Ouais, normalement, il y en aura, ouais. C'est vrai que c'est pas forcément ce que je prévois. En fait, le truc, c'est que... généralement, c'est pas ce que je prévois, parce que j'ai peur qu'avec les serveurs Nadeo directement, ça soit un peu complexe. Mais du coup, ça peut être l'occasion aussi de voir ça avec Beu, un de ces quatre, juste avoir un bout de serve et faire ça ensemble. Fuck. J'avoue que le remix là, c'est pas trop ce qui me chauffe. Je vais changer la musique. On va mettre ma playlist. Hein. Let's go. Vive Beu, ouais. Bah en fait, enfin, je comprends l'idée de ce serait cool. Et en même temps, des fois, j'ai du mal à voir ce que ça ajoute vraiment.
Donc je sais pas trop, tu vois. Non mais attends. Selon toi, Wingo, Terra c'est plus RPG que Eon en termes de gameplay. Oui, mais du coup j'ai pas compris ce qui a été dit avant. Mais ta première question c'était pas ça, du coup. Attends, il y a un problème là. Mais oui, du coup la question a été posée. Attends. Tac 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 tac. Ah oui, quelle est la plus RPG entre Terra? Ah oui, d'accord. Ok, ok, je viens de comprendre. Quelle est la plus RPG entre Terrace et Eon? Ah ben oui, mais Eon est de très très loin. Mais j'ai fait... En fait, presque c'est bizarre que tu poses la question, puisque j'ai fait que de dire que... Bah, que Terrace c'était pas une RPG. Après, je sais pas si t'étais là, donc... Mais par contre, ça tourne pas, non? Tu vois. Mais genre, ouais, pour moi, Terrace n'est pas une map RPG, tu vois. Ça paraît peut-être bizarre dit comme ça, mais... Et c'est un peu ce que je pense. Oh. Bon, je sais pas. Pensez ce que vous voulez. I don't know. Je sais pas, pour moi le fait qu'une map soit RPG, ça englobe quand même beaucoup de choses, tu vois. Mais ouais, je trouve pas Terrace RPG. Et du coup, faut passer là pour venir chercher ça. Guidorig. Tout le monde n'a pas la même vision du RPG. Oui, j'ai enfin oui, c'est vrai que maintenant tout le monde n'a pas beaucoup la même vision du RPG. Tout le monde ne voit pas les mêmes codes du RPG, je pense. Ah oui, d'accord, on est fragile. Ok. Oui, du coup, tu peux pas te permettre de faire ça. Donc, en gros, l'idée, c'est de descendre gentiment avec le fragile. Sérieux? J'ai cassé l'auto, là. Ok. Ouais, j'ai cassé là aussi. Ouais, il faut vraiment ne jamais jump. Ah oui, parce que... Mais là, l'atterrissage... Ok, c'est vrai. Ouais, j'ai bugné l'auto. J'ai totalement bugné l'auto, les amis. Hein? Hein? Ok. J'ai pas compris. J'avance, 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 j'avance. Ok, donc là, je prends haut. C'est réussi. C'est totalement réussi. Alors attends. Est-ce que toi, tu es le checkpoint numéro 24? Eh bien, je ne sais pas. Il tente le cut. Bah là, le truc, c'est qu'il y a vraiment moyen, hein, pour le coup. Je suis au 23. Tu, 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 tu.
Mais est-ce que ce checkpoint est le CP numéro 24? Je sais pas. Bonjour Wingo, je viens de faire ma première map que je considère comme RPG. Faire dans quel sens? Dans le sens rouler? Ah mais il y a un bloc de réinitialiser ici. Mais en vrai, ça c'est. Ça, il y a vraiment moyen, mais je sais même pas si c'est le bon checkpoint. Ouais, là, de toute façon, je suis réinitialisé, non? Bon, ça a l'air, hein. Ça a l'air, ça a l'air, ça a l'air. Et du coup, ça veut dire que là. Ah merde. Si smooth. Vite fait. Vite fait smooth. On va pas. Hein? Ok. Ok, ok. It's fine. It's very fine. Ça avance. Ça avance, ça avance. Ah! LCP 26 est là-bas. On est à la moitié. En du coup 15 minutes. Mais un petit peu plus quand même, en je crois que c'est 22 minutes parce que... 27. Puisque j'avais mis 12 minutes. Ah, de créer. Eh bien, bravo. Bravo pour les travaux. Ce n'est que en créant qu'on peut créer. Ok, on va double respawn et on va aller là. J'ai vu. J'ai vu ce qu'il fallait voir. Est-ce que je peux quand même m'y rendre? Je pense que oui en vrai. Ouais. Hein? Hein? Ah! 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 Tout à fait. Hein? Je suis pas sûr d'avoir tout compris. Alors attends, où est-ce qu'il faut que je me rende avec lui? Est-ce qu'il y a un big jump à faire à droite? Ah mais non, mais il faut juste wall it en fait. Oh, ok, c'est bon, j'ai compris. Bien droit là. Et aller taper là-haut. Ah bah ça passe en plus, super ça. Where to go? Where to go? Ok, on est pas mal. Oh non. Bah ouais, bah non. Et du coup, attends, est-ce qu'il fallait barrel là-haut? Barrel à droite. Good. Good, 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 good. Ça n'empêche, j'ai vraiment hâte le kaki de août, ça va vraiment être bien. Ok, donc ça c'est bon. Pour aller chercher cette petite route en plastique. J'ai pu comprendre. Ah oui, en fait, on pouvait le prendre des deux côtés, c'était pas trop un problème. Et donc là, c'est tout droit ou pas? Ça a l'air d'être tout droit. Hi, ça passe. CP numéro 30. Oula, attends, quoi? Alors. Je sais pas s'il faut faire ça ou pas. Est-ce qu'il faut vraiment faire ça? Je ne sais pas. À chaque fois qu'il y a la vidéo YouTube qui pop, ça me fait rire. Merde, avec Wingo!
Quel enfer. Quel enfer. Maze, merci beaucoup pour le tien. Merci, ça fait super plaisir. Je peux pas me retourner. Je n'ai rien pu faire. Je n'ai pas pu me retourner, genre. Je sais pas si... Il faut que je déménage, mais il fait tellement chaud que j'ai la flemme. Je comprends. En vrai, je comprends. Là, moi, j'avoue que... Bah, j'ai beaucoup trop de chance parce que les températures sont vraiment bien redescendues là ces derniers jours et du coup c'est chill. Il fait pas chaud, il fait bon quoi. Il fait juste la chaleur d'été qu'on aime bien avoir. Vers les 25-26 là, c'est parfait. Il fait chaud sans qu'il fasse trop chaud. C'est juste nickel. Ok, c'est pas par là. Le chien nous a tués en cuisine. Bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Déjà que moi, je peux le dire. Juste à cause du PC et... Enfin, de toute la chaleur qui est générée comme ça. J'ose même pas imaginer en cuisine, quoi. Ah, fallait aller en bas, là. J'ose vraiment même pas imaginer en cuisine, clairement. Alors, on est dans l'eau, on se balade. Qu'est-ce qu'on a? On a checkpoint plus glider. On voit rien, mais c'est voulu. Ok, on va pouvoir atterrir là, grass slide. CP numéro 34. Ok, j'ai pas trop compris où est-ce qu'il fallait aller. Je sais pas ce qu'il en est là des températures dans le sud de la France justement. Enfin je dis ça mais il y a bien des endroits où... Enfin sans que ce soit au sud de la France il a fait giga chaud hein, bien sûr. Et où peut-être il fait giga chaud même actuellement. J'ai 3 PC qui tournent. Avec le télétravail, des vieux portables qui chauffent bien, l'enfer dans le salon, bon pas comparable en cuisine. Ouais bah ouais hein. Non mais c'est ça hein, ça va trop vite en vrai. Il a plu donc on est bien. Ah mais oui mais il a full plu hier dans le sud de la France là. Oui donc là aujourd'hui vous avez votre temps de répit avec un petit juste en dessous de 30 quoi, peut-être un 28-29 et dans deux jours ça repart. Profitez hein, important. Un petit 30, ouais voilà un petit 30. Ah et pour certains il pleut là maintenant. Tout à fait. Ça, je peux pas. Hein. C'était plutôt cool ça. Ok. Ouais, des bisous, Gekette. Mais ouais. Ouais, j'avoue que. Cet épisode de canicule, ça m'a vraiment rappelé que... Bah, que j'avais quand même un peu du mal avec la chaleur. Enfin, c'est juste, ça te casse et même... J'avoue que pour le live, c'est assez infernal. Et comme on a dit là juste avant, il y a bien des professions où c'est vraiment rude quand il se met à faire très très chaud. Je dirais pas forcément que le live en fait partie parce qu'on peut avoir quand même un certain confort que t'as pas à d'autres endroits. Mais c'est vite contraignant en tout cas. Ouais, le BTP c'est hardcore. Mais il y a eu cette fameuse vidéo BFM là avec le couvreur.
Le couvreur qui s'est transformé en journaliste là. Ça me fait penser à ça, je sais pas pourquoi. Le couvreur des canicules. Bah, y a plein de professions en vrai où c'est. Où ça devient vite contraignant, quoi. Bah, pour avoir fait. Pour en avoir fait en mairie du débroussaillage en plein mois d'août sous 40, bon. C'est pas très marrant non plus. What? Je suis où là? What the fuck? Ok, je pense avoir compris. Ouais, c'était ça. Bon, j'ai failli me faire bait. En vrai, avec la canicule, il devrait avoir des jours, car ça peut juste être dangereux, en fait. Ouais, mais baf, oui, enfin... Je dis oui, en même temps, du coup, j'en sais rien, parce que c'est toujours pareil, hein, tu sais, il y a toujours des variables un peu complexes. Mais oui, à ce stade-là... C'est sûr que ça en devient dangereux. Une map de Yannex, oui. Est-ce qu'il aurait fallu que j'aille là? Oui. 44. Ah, shit. Aucune idée de quand la map est sortie. On va aller voir sur MX, hein, si jamais. Le métier physique où tu bosses dehors, je parle de... Ah oui, pour l'aspect dangereux. Ouais. Ouais, genre le stream, quoi. Je peux pas me permettre de faire cette vanne, parce qu'il y a des gens qui vont le prendre premier degré. Attends, c'est pas mort. Ok, c'est bon. Dure mentalement le stream avec la chaleur du ventilo. Bon après, on va pas se mentir qu'il y a plein de streamers aussi qui sont chill avec la clim. Mais pas le cas de tout le monde. Ah, j'arrive pas à monter. Parce que là, moi aussi, c'est ce que je vous expliquais la dernière fois, mais c'est que j'ai pas une clim tout court, mais j'ai une clim mobile. Rien ne m'empêche de streamer dehors, mais il fait pas moins chaud dehors. Bon, si tout m'empêche de streamer dehors, mais en plus de ça, il fait pas forcément moins chaud. Mais ouais, avec le changement de micro, moi, de toute façon, la clim mobile, je pouvais même pas la mettre dans... Enfin, je peux pas la mettre là, dans cette pièce, parce que ça fait trop de bruit. 46, 47. On se rapproche de la fin de cette carte. On se rapproche gentiment de la fin de cette carte. Avec le fameux Trix 48. Parce que je suis normand, il n'y a pas trop de soucis de chaleur. Actuellement, tout le monde te déteste. C'est très, très bold, hein, de venir dire ça sur un live Twitch. C'est très, très bold. Jean Pouisley. Elle a l'air ok à rouler. J'en parlerai un tout petit peu.
juste après. Oh. Ouais, en fait c'est ça. Faut être pas trop orienté et faire des à-coups de frein. Ok, cool. Il a été sympa. Fallait aller à droite. Je crois qu'il fallait aller à droite. J'ai cru voir un checkpoint. J'ai plus soin mon camarade normand. Allez, vous savez quoi les normands là, montrez-vous. Montrez-vous, c'est maintenant. Pour avoir votre heure de gloire. Des normands en pull là. Allez, montrez-vous. Allez, du coup c'est le finish. Ok. Eh bien c'est terminé. Mesdames et messieurs. Quoi les normands? C'est terminé du coup pour la map de Yanex. Bon du coup je le dis et je le répète. Donc cette map a été faite sur le concept du speed mapping de Yanex. Donc du coup c'est une map qui a été réalisée en 5 heures. Donc clairement... Je vais pas spécialement juger de fou ou quoi, tu vois, ça sert à rien, c'est une map qui a été faite en 5 heures et tout. En vrai, au niveau de l'ambiance et de la déco globale et tout, c'est déjà quand même vraiment pas mal pour un truc qui a été fait en 5 heures. Je pense que la finalité un peu de cette carte, c'est trop de gliders, trop de passages dans l'eau. Tu sais, ça fait beaucoup, ça fait très redondant et voilà. Après, j'imagine que s'il a voulu faire une map de 50 checkpoints, bah... forcément au bout d'un moment tu te répètes sur certains trucs et tout. Après comme je dis c'est une map qui a été réalisée en speed mapping. Peut-être qu'il y avait un objectif très spécifique, peut-être qu'il y avait des conditions spécifiques où il était obligé d'utiliser les gliders vis-à-vis de, j'en sais rien, peut-être un sondage avec la commu, j'en sais rien, je sais pas exactement, tu vois, mais en tout cas ça se roule tranquille, j'ai envie de dire. Il y avait des petits passages qui étaient vraiment sympas par contre, qui étaient bien pensés. Et puis 50 checkpoints en 5 heures, c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal. Donc un peu trop répétitif, mais logique parce que c'est un peu chaud. Donc ouais, en effet, je vais pas forcément la rejouer cette carte, dans le sens où je pense pas que ce soit parmi les maps RPG les plus intéressantes. On en a plein à découvrir, donc autant continuer à en découvrir. Mais comme je dis, je pense que même Yanex pourrait dire ça, même par rapport à d'autres cartes qu'il a pu faire, etc., qui sont moins dans cette optique speed mapping et qui forcément ont plus de une portée un peu plus large. Les parties que venaient de sortir, donc j'ai cherché à utiliser que ça. Oui, bah voilà. Hein. Yo mec, ça va ou quoi? Bah du coup voilà, bah Yanex qui est là même pour en parler directement. Donc non mais c'est ce que je disais, je pense qu'il y a un petit peu cette logique là. De l'utilisation des portiques. Point d'exclamation RPG si jamais. Du coup, Ring Down, j'étais comme un gosse. Mais t'as bien fait de te régaler, c'est le principal. Non, mais en plus de ça, en vrai, il y a quelques petits passages qui sont vraiment sympas. Je pense dans la globalité, c'est assez répétitif, mais il y a quelques passages qui sont vraiment, vraiment cool que t'as mis en place. J'essaye de les retrouver vite fait parce qu'il y en avait un qui était vers là, je crois. Bon, je vais pas le retrouver. Je pense que je ne vais pas le retrouver. Mais il y avait quelques petits passages là qui étaient assez original et assez sympa. Où justement, je me suis dit putain, en si peu de temps de mapping, c'est quand même chaud. Donc en vrai, c'est cool. Ah, bah c'est ça là. Essaye de espèce de petit passage platformer là à cet endroit là. Que j'avais trouvé assez cool. Je crois que c'était ça. Et puis il y avait autre chose. Ah oui, c'est ça en fait. T'arrives là sur le côté. Et t'as le petit passage platformer avec le glider et ensuite tu repartais vers là-bas. Y avait d'autres petites choses. Quoi. Passage glace au secours. Bah ça après c'est différent. Ok, très bien. Donc voilà pour Vaporeid.